Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une vidéo de Forge de Magie. Alors là, on vient juste d'arriver sur la version 2.48 du jeu. La mise à jour a lieu ce matin. Je voulais vous faire des vidéos de colis. J'étais super motivé. Là, je viens de passer un temps fou, presque 3 heures, je crois, à refaire tous mes équipements rapides, tous mes sorts et refaire voilà un petit peu tout optimiser sur tous mes persos. Donc, j'ai une team de 28 persos hein, pour ceux qui savent pas. Faudra que je vous fasse une vidéo présentation de ma team d'ailleurs. Bref, donc j'ai passé un temps fou à faire ça, là j'étais tout content de pouvoir colis, je découvre coup avant de lancer le colis, et je regarde, et en fait, il y a un bug sur les équipements rapides et les sorts, et en gros j'ai perdu tous mes sorts au niveau des emplacements de sorts, et tous mes équipements rapides, enfin bref, ça m'a saoulé, donc je vais attendre qu'il règle ça, et en attendant on va faire un peu de forge de magie, bon du coup je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. On va y aller sur des ghoulbots qu'on va essayer de faire en pourcent, raise, terre ou feu, je sais pas, faudrait que je regarde. Donc on est parti, allez hop. Ça doit être Esther hein, qu'il me faut. Donc là j'ai 87 depuis. Je vais commencer par un over vita. J'ai pas trop le choix ici. Ah oh, bah ça passe nickel. Hop. Il faudrait que j'enlève 8 depuis là-dessus. Alors comment je vais pouvoir faire ça? Je peux y aller à la récré tout simple. Hop. Il me fait 1 moins 10. Et ensuite y aller tout simplement sur une par écrit. Voilà. Comme ça j'ai la vitalité qui est soignée ici. On va aller chercher les stats perf, moins 3 ici. Ok, le crit. Alors là, je vais y aller également avec des pas sur les autres lignes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aïe. Moins 33. C'est plus rentable d'y aller à la rat en fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 24. Et bah décidément ça picote hein. Bon il faut aussi remonter les récris. Il me reste un Dotaire à remettre également. Ok là ça passe. Moins 6 le Dotaire. Je pensais pas que ça aurait autant de mal à monter hein, décidément. Bon bah je suis un peu déçu du coup. Le G est foiré. Tant pis pour cette première tenta. Alors là j'ai le PM qui tombe sur une pado neutre. Je suis un peu déçu, c'est pas passé, donc je pars avec pas beaucoup de puits. Bon, on va quand même essayer, hein, on va voir ce que ça peut donner. Éventuellement, moins 20. La force, allez, on va y aller encore à la pas faux, mais je suis un peu sceptique. 2, 3, 4, 5. Ok, on n'est pas trop mal ici. Moins 15. En revanche, l'intel, je vais peut-être le laisser à 59. Ok, 2 ici. Ok, 3, bon, c'est pas mal. Hein, là, on a un petit peu moins galéré qu'avant. Les récris, on va les mettre perf, moins 12. La sagesse est bien. Bon, alors on va monter les deux feux. Les deux terres, moins 10. Ça me laisse 11 de puits. 11 de puits. Est-ce que je fais un G sans dos neutre? Non, c'est pas trop le but. Hein. Il va nous falloir du crit. Eh bah. Ok, on a un G perf. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le PM, et si ça passe on va tenter une rune reste distance par exemple. Ça passe pas. 81 de puits là-dessus, alors je suis un peu triste, ça fait un moment que j'ai un très très bon jet sur l'item, et là c'est un peu moins bon, et c'est à ce moment-là que ça tombe. Les récris, est-ce que c'est utile que je les fasse en over, ou est-ce que je force à 22 avec des récris? Je pense qu'on peut y aller comme ça, hop voilà, ça passe quand même assez bien, c'est des petites runes. Moins 6, ok ça c'est réglé, la force, il va me falloir un over. 3... 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'aurais peut-être pas dû le faire. Tant pis, c'est fait. C'est vrai que ça coûte quand même cher en puits, mais je voulais les 60. Ok, la ravie qui passe, moins 9. Alors, en revanche, sur la chance, je vais être un peu moins pointilleux. Là, on a moins 20 ici aussi. Hop. Ça laisse malheureusement pas beaucoup de puits pour le reste. Ouais, c'est vrai que les 24 de puits pour gagner 2 de force, c'était peut-être pas ultra justifié. Bon, on a un crit sur la sagesse qui met bien. Bon, on aura peut-être une petite tenta. On a quand même un G qui est bien clean sur la vita là. J'ai moins 10, moins 15. Ah bah, j'ai plus de puits à nouveau. Décidément, je vais toujours tomber sur des G presque perf mais sans exo. Ce qui est un peu triste. Alors, je vais plutôt. Tout à l'heure, je me suis dit, je vais passer le PM et on tentera une rune raise, mais en fait, je préfère tenter la raise avant. Là j'ai de la dommage distance, dommage sort, res mêlée, res distance, on va y aller en res distance je pense. On peut avoir un crit là-dessus. Non, ça aurait été sympa. On va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Ouais non, allez hop, faut remettre le PM. Et ça passe pas.
Alors là, on a 86 depuis. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Bon, je dis ça, mais oh là, faut qu'elle passe la vie. Ah oui, ouf. J'avais pas envie d'aller en refaire. Hop, moins 10. Là, il faut que j'enlève 4 ou 5. Idéalement, je vais y aller à la Pafo, je pense. Ou alors. Non, je vais y aller avec 2 runes réécrites. Si je peux avoir du moins. Ah, j'aurais voulu avoir 2 moins 11, ça aurait été bien. Ce ne sera pas le cas, malheureusement. Hop. Bon, ça c'est réglé. La force, je vais vraiment aller chercher les 60, hein. J'en ai rien à faire si je défonce mon puits. Est-ce que je m'obstine ou pas? C'est gérable 60 en vrai, hein, ça se fait. Hein. Ouais, bon, allez, ok. Sinon, je vais encore me faire critiquer comme pas possible. Moins 5, on va la laisser à 59, mais ça me gêne. Hein. Ça me gêne, voilà, je vous mens pas. Hop, moins 6 ici. Les paires écrits, on va monter à 25. J'allais dire ça passe bien, mais non, pas vraiment. Moins 24. Bon, les dommages à 11, là, on va quand même avoir une tenta qui devrait être à peu près correcte. 2. Ok, le crit. 3, 4, 5, 6, moins 30, ça nous laisse 11 de puits. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu un peu de puits résiduel d'avant? C'est dur à dire. C'est dur à dire, dans le doute, je vais tenter 2% raise, hein, et puis si le deuxième passe pas, c'est que j'avais pas assez de puits, j'ai la flemme de compter. De toute façon, 1% ça me suffira pas, donc on va y aller comme ça. Allez, est-ce qu'on peut en tenter? Ouais, j'avais de quoi le tenter. Alors là, par contre, j'ai clairement plus de puits. Bah, on va y aller, comme j'ai dit tout à l'heure, sur une rune. C'est bien celle de droite, hein, les restes distance. Ouais, allez, un petit crit. Hein, j'en ai encore jamais passé un crit sur des beaux jets. Mais ça finira bien par m'arriver un jour, hein, avec de la persévérance. Ça pourra quand même faire un jet sympa, potentiellement. Allez, on continue. Alors là, on a une tenta bien solide à 86 de puits. Il va falloir faire un over réécrit. Ça va me faire un over de 2. Ça m'arrange pas trop. Tant pis. Allez hop. Moins 18 là-dessus. Il va falloir que je l'enlève. On va y aller avec de la raise fixe. Hop. Ensuite, petite pafo. Moins. Donc là, on a eu moins 1, on a eu moins 4. Là, on va vraiment aller chercher par contre les 60. Hein, sans excuse. Hop, moins 20. À nouveau, la petite réfixe. Hop. Faire ça pour toutes les stats. Moins 10, ok, ça va, c'est pas des gros over, hein. 51, 61, ça passe à peu près. Hop, moins 9. On récupère à nouveau l'INI. Ah, ça c'est embêtant, ça, le moins reliquat. On a perdu 1, ça tape pas systématiquement dans l'over, hein, surtout quand c'est des petits over comme ça, c'est un peu triste de perdre du puits, mais il n'y a pas trop d'autres options. Et on a un crit sur le Dofeu, ce qui fait qu'on s'en sort pas trop mal. On a 24 de puits, donc 4 tentares sur un jet qui est vraiment bien soigné ici. Hein. Ça, c'est tout ce qu'on aime. C'est parti. 4 tentas. Allez, 1, 2, 3, 4. 1%. Bon, on va faire une tenta raise à nouveau. Est-ce que je passe le PM ou pas? Du coup, non, je vais le passer à la fin le PM. Hein. Puis en plus, c'est plus amusant si on peut faire ces petites tentas comme ça. Si je peux avoir pourcent reste distance là-dessus, franchement, on est bien. Hop. Bon, tant pis. 88 de puits sur cette tenta qui est full d'eau, qui est pas mal du tout, hein, franchement. Je vais même commencer par une. Pas ça. Passe, moins 9. Hop. Et je vais y aller à la Pafo. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je voulais enlever la sagesse. J'ai moins 3 ici. Merde, c'est pas ce que je voulais faire, moi je fais n'importe quoi. Moins 3 à nouveau, jamais ça tape dans le l'over sagesse par hasard. Ok, bon, ça passe. Là on y est, bah, du coup ça me met un peu dans le caca. J'aurais voulu avoir les 62 forces, bah, on va voir comment on gère ça. 4, moins 40 de puits sur la Vita, qu'est-ce que ça fait mal. Allez, hop là, voilà, on s'en sort. On s'en sort à peu près. Bon, heureusement qu'on a les 12 d'eau, hein, parce que là, ça part assez mal quand même. Je vais y aller avec une Rainée. Là, j'ai moins 9, moins 19, moins 29. J'ai plus de puits, je suis sûr.
Dommage, hein, parce que là je partais en Rainé, ça me faisait 62. J'ai enlevé les deux avec le réécrit, et là on avait un G perf moins un vita, quoi. C'est triste, mais ouais, ça passe pas. 85 du puits ici, on est parti. Donc on va commencer par la ravie qui passe, ok, à peu près, moins 20. Ensuite, on va y aller sur, je pense, deux païnés. Deux païnés, ça devrait être bien, en espérant que j'en ai une qui fasse un moins 16. Ah, dommage. Dommage, bon. Hop, ok, on a une vita qui est un peu moins propre que ce qu'on aurait pu espérer, mais on fera avec. Je vais y aller sur un overchance également. Ok, moins 10, c'est correct, on perd pas trop de puits. Bon, je suis en train de négocier pour l'achat d'un item en même temps, je vous ferai peut-être ça en vidéo également. Moins 1 ici. Ensuite, la rafo. Hop, moins 9. Bon, l'intel, je vais la laisser à 58, hein, ça m'ira. 4, moins 12. Les dommages sont pas trop mal. 5 ici. Il n'y a plus que les par écrit qu'il va falloir passer. Ok, on a un crit. C'est pas mal du tout. Moins 6. 22 de puits. Alors j'ai 2 de puits en rab. Est-ce que j'en aurais pas un petit peu d'avant? Là non, là non. Là je perds 1. Ouais, a priori j'avais pas de puits restaurant. Hein. Ce serait très surprenant. Dans ce cas, je vais tenter un succès sur une res fixe. Ou alors je tente 2 runes innées pour essayer d'avoir un crit et de gagner un d'intel. Enfin, je peux en tenter 4 du coup. Je vais plutôt faire ça. Je vais tenter une païnée. Et ça me fait un moins 3, ce qui me laisse 3 tentatives res. Bon, c'est. J'aurais pu tenter le succès crit là-dessus pour essayer de gagner une tenta res, mais si j'avais pu passer à 60 d'intel, ça m'aurait bien plu aussi. J'ai donc 3 tentas rester ici. 1, 2, 3, ok, 2%. Je pense que si j'ai ce G qui passe, je validerai le FM de manière provisoire, ça me fait au moins un item clean. C'est pas incroyable, je tenterai peut-être le 2% invo ou je tryharderai le 3%, mais déjà 2%. C'est pas mal, et on n'a pas le PM malheureusement. 86 de puits sur cette tenta en 12 dos, bon, on va voir ce que ça donne, il va falloir que je m'occupe de la vitalité pour commencer. 4, 5, oh là là là, c'est chiant. Moins 60, bon bah du coup, game over, hein, clairement. Je vais aller sur les réécrits. Hop. On va monter à 19. 2 ici, mais bon, de toute façon, là, c'est fini. Hein. Putain, ça fait une heure que j'ai FM pour avoir ça, quoi. J'avais mis beaucoup, beaucoup de temps avant de choper le puits, là. Et bah, c'est pour que ça parte dans le vide, malheureusement, à cause de la Vita. Moins 9 ici. Et là, clairement, on n'en fera rien du tout. Moins 3. Allez, on va tester, hein, quand même. Mais... Bien sûr, là, c'est là que tout passe. Hein, c'est la classique. Réussi ça sur une vraie tenta, ça aurait été nickel. Et là, j'ai plus de puits. Bon, bah, tant pis. 85 de puits ici, alors j'espère que la vitalité va être un peu moins capricieuse. Effectivement, ça passe mieux. Hop, les ricris sont ok. Je vais y aller sur la double pas faux. J'aimerais bien avoir un moins 16. Nickel! Ok, là, ça a l'air de vachement mieux partir. On a les deux qui sont à 12, on a les res R au max, là on a peut-être une belle tenta qui se profile. Je vais simplement remonter la chance à 59. Ok, ça passe, là on a une très très belle tentative. La sagesse, je vais pas être trop gourmand, je vais la laisser à 29. Je pourrais aller chercher les 30 à tout prix, mais je vois que l'item est vraiment capricieux, donc on va pas pousser trop loin le vice. Là, on a déjà quelque chose qui est vraiment très très bien et on a 60 de puits tout pile. Alors là, c'est vraiment la tenta de la vidéo, on va dire. 10 tenta res. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas pourquoi je compte, hein, mais. Ok, si je peux avoir un PM là-dessus, ce serait bien. Ce serait la fin de la vidéo. Ce serait la fin de FM de cet item, pardon. Allez, hop! Ah, dommage, dommage. On enchaîne avec une tenta à 86 de puits. Je vais essayer de forcer la pavie. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Allez. Une, deux. Ok, ça passe relativement vite. Moins 6 là-dessus. J'espère que la ravie va pas être trop capricieuse. Et ça passe.
Hop, ah, là j'ai un pote il me MP un item pour me demander s'il tente l'invo, puis finalement il a changé d'avis. Bon, je pense qu'il voulait surtout montrer le jet qu'il a fait. C'est effectivement très propre, hein, sur Amulette Marte Gel qui doit vraiment pas être facile à FM, notamment avec les 50 de sagesse. Bravo à lui pour ce super item. Hein. Bon, c'est que 2% sur PPA, mais comme c'est très dur à faire, je pense que c'est pas mal. Bon, peut-être qu'on fera l'invo un jour dessus dans une autre vidéo, on verra ça. Bref, alors moi j'ai mon mini over ici. Ouais, voilà, on le fera plus tard. Hop, bon, la vitalité, c'est réglé. Ensuite, la force. Est-ce que je remonte la sagesse? Non, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je vais aller chercher les 62 forces quand même. Hein. Ah bah allez, j'ai un crit. 3 ici. J'ai bien compté le moins 10 de la vie. Hein. Oui, j'ai eu un petit doute. Là, la force qui passe également, moins 10. On va enlever l'over avec une petite res fixe. Nickel. L'intel, moins 3. On va maintenant pas aller plus loin que ça au niveau des over. On va juste remettre 58 sur un crit et 59 ici. Moins 20. Bon, je m'en sors pas trop trop mal dans l'ensemble. Il reste encore les dommages et les récris. Ça va, c'est quand même assez difficile. Hein. En termes de puits, on est vraiment short. Si ça passe à peu près, ça va. Bon, là, j'ai moins 20 quand même. Ça me laisse 14 de puits. Hein. C'est. Oh. Pourtant, j'avais un jet qui était pas mal à la base. Hein. Il aurait fallu du crit. Hein. Et là, j'ai deux de puits. La dernière passera pas. Voilà. Dommage. Hein. Pourtant, j'ai vraiment pas gaspillé de puits. J'ai même pas tryhard un truc qui a défoncé l'item. C'est vraiment pas évident à FM ce truc. Hein. Bon, de toute façon, j'avais plus de rune PM. Mais bon, bah. Voilà. On continue avec une Tanta. Là, on a tout à 51. Donc, ça va être sûrement un petit peu chaud de gérer le. De gérer les stats, on va voir. Bon, par contre, les dommages sont perf, les res aussi. Donc là, on est quand même sur un G qui est pas trop mal. Faudrait que la Vita passe assez vite, à moins 30 déjà là-dessus. Hop. Je pense que je vais y aller. Je vais y aller à la pas. Tant pis. Tant pis si. J'aurais pu tenter d'avoir un 2 fois un moins 6. Mais là, comme je vais être un peu short sur la suite, certainement. J'ai pensé que c'était comme ça le mieux. Alors là, j'ai moins 6. Je vais peut-être y aller uniquement avec des runes pas comme ça. Allez, on va test. 3, 4, 5, 6, 7. Toujours 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, mais sérieusement, quoi. 15, 16, 17, et on n'a plus de puits. Putain, mais c'est tellement chiant, quoi. Ces lignes à 60 qui passent jamais, là. Bien sûr, on a le PM là-dessus. Bon, allez, on va tenter une petite rune à l'arrache comme ça. Hop là, bon, tant pis. On enchaîne là-dessus. Let's go. Let's go, over Vita. Hop. Bon, bah déjà plus de la moitié du puits qui part là-dessus. Je vais y aller en récri, je pense. Ou non, peut-être plutôt en pas faux. Icrit. Ça c'est assez atypique. Qu'est-ce que je fais avec mon over vita du coup? Ah bah je vais y aller plutôt sur la récré. Ah, ça m'embête pour le coup. Allez, récré. Ok. Hop. Ensuite, la force, je vais la monter à 62, ça passe. Et là, avec la récré à nouveau, je vais venir enlever l'over. Nickel. Bon, cette fois-ci. On va y aller sur de la Rainée qui passe. Je vais y aller plutôt avec de la Ra hein, pour ces stats qui sont vraiment très durs à passer. Lini qui tape dans le puits au lieu de taper dans l'over. Ça, on n'aime pas trop, bien sûr. Moins 8, moins 18, c'est fini. Putain, on n'était pas loin d'avoir un truc bien là. C'est triste. Alors, on a ici 85 de puits. La vitalité va tomber nickel. Bon, pour les stats, on va y aller en over, je pense. On va commencer par les over donc. Allez, hop. Oh là là là, bon bah c'est mort. Allez, tant pis. Allez, Karak à 51, là va falloir que je m'en occupe autrement. Alors en plus, là, ça tape pas dans la force, alors j'ai pris moins 2. On va y aller sur l'intel également. Moins 8, ok, on a un crit. La chance que je vais monter à 60 aussi. Merde, j'ai oublié l'over, putain, je suis un singe. Bon bah tant pis, hein. Hop, on aura 58 de chance, bon, de toute façon je suis pas très optimiste pour la suite. La vitalité qui crit, ah bah là on a du crit bien sûr.
Moins 6. Bah, on va voir, on aura peut-être quelques Tantarès, hein, mais je suis assez sceptique tout de même. Moins 10 ici. Eh bah décidément. 13 de puits restant. Et ça passe. Moins 6. Bon bah dommage que j'ai un peu flingué l'intel, mais bon, on va dire que c'est pas grave. On a une Tanta qui passe pas. Je vais tenter une rune graisse comme ça. Échec, tiens. Ça c'est pas commun. Et toujours pas. LPM ne passe pas en plus. 80 de puits sur celle-ci. Bon bah let's go. Il va falloir commencer par un over Vita. Ça passe. 10. Le crit inhibit qui arrive toujours quand tu n'as pas trop besoin. La chance, est-ce que je n'irai pas à la chercher avec la racha, rafo. Allez, on teste. Moins 9, moins 19. Je vais enlever l'over avec de la récri. Là, je vais aller chercher les 22 récri. Hop, moins 2, ça passe assez bien. La chance, on va, l'intel, on va se contenter de 59 et les 58 de chance, ça ira aussi. On est à 12, 15, 18. Là-dessus. Bon, c'est à peu près correct hein, dans l'ensemble. Là, on va peut-être avoir une Tanta qui sera sympathique. Moins 6, il reste encore un peu de puits. Bon, là, il y a les dommages à remonter, bien sûr. Mais si ça passe assez vite. Ah, dommage. 15, 20, 25. Plus de puits. À chaque fois, en fait, j'arrive sur un jet qui est bien, mais j'ai plus de puits pour les raises. En bas, à nouveau, on va continuer avec nos Tantas de succès crit sur les raises distance. Et non, toujours pas. Quelques runes plus tard, le PM tombe à nouveau. Je vais peut-être laisser de la vitalité comme ça. Je me rends compte que le FM il est plus difficile que ce que je pensais. Est-ce que je tenterai pas la rune réécrit à 25 comme ça? Bon, c'est un peu risqué quand même de 24 à 25 là. Je vais test. 2, 3. Oh, ça passe quand même assez bien. Hop, ok. La chance, on va aller chercher les 59. 10, 3, 18. Hop, on va aller à la Rainée. Ok, qui passe. 10. Et là, on a quelque chose qui est pas trop mal. Moins 5 pour les dommages hauts. On est good sur le reste. Et là, j'ai 50 de puits. 50 de puits, ça me laisse 2 de puits que je peux utiliser un peu où je veux. Je vais peut-être les tests. Ah, j'hésite. Je peux aussi essayer de partir en over Vita sinon, mais. Ouais, non. Je vais aller m'acheter des petites runes faux. On va faire deux tentes faux. Des fois qu'on a un succès crit, ça pourra me permettre de passer à 60 de force. Et après, on aura quand même là 8 tentes à raise, ce qui est pas mal. On n'aura pas eu beaucoup de si belles tentes. Bon, il y a eu celle-là 10 tentes qui n'était pas passée. Hop. Si je pouvais avoir ce jet qui passe, ça m'irait très bien. L'item est franchement désagréable à FM. Ah bah tiens, il y a quelqu'un d'autre qui en fait aussi des ghoulbots. Donc j'ai dit 2 tentas faux, 1, 2, et 8 tentas restèrent. Hop. 1, 2, 2%, c'est très bien. Franchement, si j'ai ça, c'est ok. Toujours pas. On continue, là on a 83 depuis. Bah c'est parti. Hop. Allez, la vitalité là qui passe assez bien pour une fois. Je vais aller chercher les récris. Ah, est-ce que j'y vais comme ça ou est-ce que j'y vais plutôt à la part écrit? Non, je vais y aller comme ça. Hop, une qui passe. Deux qui passent. C'est très bien. Franchement, les récris jusqu'à 25, à la récris simple, ça passe encore assez bien. Donc là, on a la force qui est acceptable. Remonter l'intel, la chance. Ok, là on va avoir une belle tenta, je pense. J'ai moins 3, moins 6. Ok, l'intel est là. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, moins 15 là-dessus. 56 de puits. Du coup, j'ai 2 de puits en rab à nouveau. Ah non, il faut pas que j'oublie les dommages neutres. Hop, qui passe. 5, 51. Et là, j'ai 3 de puits en rab. Donc ça va y aller sur une petite pas faux qui ne passe pas. Et à nouveau, ça me laisse 8 en tas restaires. Oh, la sagesse, j'avais pas vu la sagesse. Merde, quel con. 18.
J'ai eu moins 3, moins 18. Bon, ça va, je tombe sur un compte rond. Sinon, j'aurais pu me gâcher 3 de puits. Donc là, j'ai 5 tentas sur les restaires. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. 3%, les 3% sont timides là-dessus, hein. Allez, le petit PM. Oh là là. On a une tenta sympa ici à 89 de puits qui va nous faire un jet assez propre. Moins 10 ici, on va enlever l'over avec une pacha. Hop, ça passe. La rafo qui nous amène à 60, qui passe également. On va avoir la sagesse en perf aussi. Là, on est sur un jet qui est très soigné. Ça me plaît bien. Moins 18. Plus que les petits dommages à remonter. Et on part sur les raises. 3. 4. Et 5. Ok, moins 25. 26 de puits là-dessus. J'ai 2 de puits en rab que je vais tenter sur l'intel. Deux. Voilà, là c'est vraiment une tentative de succès crit, hein, mais c'est pour pas gaspiller quoi que ce soit. Et ça me laisse donc 4 tentares. 1, 2, 3, 4. Ok, on a les 2%. Vraiment, là, le petit PM, il me ferait du bien, hein, je le mérite. Oh là là, ça passe jamais. On continue, bah, over vita, hop. Ça passe, moins 10. J'ai pas de rune d'eau pour enlever le petit overvie. Il m'aurait fallu une rune qui pèse 5. Ce que je vais faire, ça va être d'y aller avec une récri. Et une pafo. Hop, ok. 6. Décidément. Oh, c'est chiant, quoi. Là, j'ai eu 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, moins 30 depuis là-dessus, quoi, franchement. C'est un petit peu usant. Hop. Là, j'ai moins 14. Ça me laisse 26 depuis. J'ai à nouveau 2 depuis en rab. Que je vais essayer de caler sur la force. Ok, et là, j'ai 4 tentats restaires. 2, 3 et 4. Ça passe pas, on va tenter la reste distance. Ah bah cette fois-ci ça passe, mais ça défonce mon item. Et bien sûr le PM il repasse là-dessus quoi. Pff, franchement. Franchement. J'ai perdu quoi là? J'ai perdu 2 donuts, j'ai perdu 1 do haut. Je vais me gagner un poil de puits. C'est un peu crade comme j'ai quoi du coup, franchement c'est pas top. J'ai bien envie de retenter au moins le do haut en crit. J'ai combien de puits là? J'ai 1. J'ai 11. 16, j'ai juste gagné 1 de puits. Hein. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. C'est quand même pas commun de passer 1% reste distance. Du coup, le jet il est un peu crade par rapport à l'exigence que j'avais fixée depuis le début. C'est un peu triste de terminer là-dessus, mais comme il y a pas mal de classes qui jouent sans dos neutre, et puis bon, bah, on va dire que ça peut être jouable. C'est pas top, mais c'est jouable. Donc je reviendrai certainement sur cet item en essayant soit d'avoir un 2 ou 3% clean, soit de passer une invoque avec ou un truc dans le genre. Mais là, j'ai passé assez de temps et dépensé assez de kama là-dessus. Surtout que là, je dois commencer à économiser pour un Vulbis. Hein. Là, dans la méta actuelle, dans PvP, le Vulbis, c'est vraiment pour moi quelque chose d'incontournable sur les Roxeurs. Puisqu'on n'a plus le PM du Muldo, parce que les Muldos sont pas au top. Donc, Vulbis familier, pour moi, c'est bien meilleur que Muldo. Donc bah, là, je vais partir en rush Vulbis. Donc, soit économie pour acheter, soit drop. Enfin, on va voir. En tout cas, j'ai pas envie de passer trop de temps du coup sur des FM comme ça qui servent pas à grand chose au final. Donc je termine cette vidéo sur ce jet un peu médiocre, hein, qui me laisse un peu sur ma faim. Quand j'ai vu les trucs très propres 2% que j'avais, j'aurais franchement préféré ça. Bon, après 1% reste distance, c'est quand même pas trop mal dans la méta actuelle du PvP où on a des crades, des sadis qui nous mettent plein de dégâts à distance tout le temps, des trucs un peu chiants. C'est utile, mais ça aurait été mieux. J'aurais bien aimé avoir un jet par exemple 1% reste air, plus reste distance en crit. Là, ça aurait été plus chouette. J'aurais peut-être un truc comme ça un jour, hein, comme j'entends souvent. Il y a bien un jour où ça finira par passer en succès crit et ça me fera un truc sympathique. Mais on reste là-dessus pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.